Mr. Baby. C'est le Kiki Motereva. Et ça va, puissance absolue. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour déranger. Prenez position pour danser, prenez position pour bouger. Bien quand on vient à vous danser. Ding 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 ding. Mais que lui a donné l'argent, il m'a dit vieux mort, quand t'as 500 pro. On doit stresser ce qu'ils disent qu'arrive. Il n'est pas sous, il n'est pas mieux. Mais avant de partir, je lui fais signe. Je dis jamais casino ici, c'est en France, moi et Paris. Son nègre décédé, donc ils l'ont mis dans le baka pour le ramener à la vie. Il est aveugle, mais dès qu'ils lui ont donné bien, tout le monde a crié, il voit. Il dit pas de gomme, mais on dit mon rappel lourd. Il dit tout le temps rassasié. Donc il regarde un film, il regarde jamais la fin. Ils ont peur de moi, ça et c'est. Quand arrive le petit, il tremble. Le petit est venu pour tout valider. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour déranger. Prenez position pour danser. Avec notre séance, on a commencé vendredi passé. Are you excited? Yeah. Take charge of your action and be result oriented. Are you excited? Yeah. Prends charge de toutes les actes ou actions. Are you excited? Yeah. Et il faut que à la fin, tu
toi et tes quoi? Productif. Regarde ça, t'es. Il faut qu'on la fait, on est capable de voir quoi? En résultat. Regarde ça, t'es. Et donc, je t'ai. On est capable de voir un résultat à la fin de la journée. Regarde ça, t'es. Mais comme ils sont en train de résumer, je veux. Il faut qu'on se rappelle. Ce qu'on a commencé, ça vient avant de commencer. Regarde ça, t'es. C'est ça qui peut me mettre en sorte qu'on peut naviguer aisément avec déjà une bonne compréhension de notre science. Et on a dit prendre charge de tes actes ou actions. Regarde ça, t'es. Qu'est-ce que ça veut parler dire? Et j'ai parlé ici de it is the ability to take control, assume something. Or an activity and become responsible for the result through a convinced atmosphere with a settled mindset. J'ai dit, le moment que l'on me fait, c'est qu'il est ici. Il est sanctionnel. Un, il doit être sûr de lui. Deux, il doit être sûr du système qu'il va appliquer. Trois, il doit être sûr de ses actes et de résultats à la fin de la journée. C'est pour cela qu'il fixe quoi? Un objectif. C'est ça qui discipline le réaliser. Car il n'est pas encore sûr de ces trois éléments. Un, de lui, comme un homme ses idées, sa compréhension de ce qu'il a pu faire. Deux, du système qu'il va appliquer. Trois, de son résultat à la fin de la journée. Ça, c'est vraiment en permanence. Même s'il aborde quelqu'un qui n'est pas intéressé, même s'il aborde quelqu'un qui est intéressé, il y a un résultat qu'il veut réaliser à la fin de la journée. C'est vrai que le terme aujourd'hui, c'est quoi? On prend charge de toutes nos actions. On assume. Parce qu'on sait, à la fin de la journée, voilà le résultat qu'il faut réaliser. C'est automatique. On doit être sûr de ça. Que voilà le résultat qu'on doit réaliser à la fin de la journée. C'est vrai que le chrétien a besoin des éléments nécessaires pour que mentalement il est déjà préparé. Alors quand il aborde quelqu'un négatif qui n'est pas intéressé, ce n'est plus une surprise pour lui. Parce que mentalement il est déjà préparé. Une chose est en permanence dans sa tête. Il doit atteindre son objectif à la fin de la journée. Pas des excuses. Et c'est donc en permanence qu'il travaille avec deux alternatives. Un, j'apprends. Deux, je gagne. Il ne dit jamais que j'ai perdu l'attitude. Il ne dit jamais que je suis négatif. Il ne dit jamais que je ne peux plus continuer parce que quoi. Non, il avait deux alternatives. Même quand il apprend quelqu'un qui est vraiment négatif, mais dans sa tête, il a déjà mis quoi? Il a appris quelque chose derrière cette mentalité. Alors, ça ne doit même pas lui démotiver ou décourager. C'est pour cela qu'il comprend mon point qu'on a expliqué dans le temps passé. C'est qu'il va dire prendre charge de ses actes ou actions et soit productif à la fin de la journée. Comprenons qu'on a parlé de quoi? Le contenu de notre état d'esprit. Le contenu de notre esprit. On descend avec un état d'esprit. Et j'ai dit, c'est toi qui décides si tu auras une journée juteuse ou pas. C'est toi qui décides si ta journée sera positive ou pas. Même quand tu racontes les gens qui ne sont pas intéressés, mais qu'il y a une chose dans ta tête, à la fin de la journée, je vais trouver des gens positifs. Parce que chaque nom nous approche à un oui. C'est la formule. C'est systématique. Et tester avec l'évidence. Alors, même s'ils sont intéressés ou pas, je suis sûr, je vais trouver les vrais gens qui vont m'acheter. Alors, derrière chaque mentalité qui n'est pas intéressée, j'ai grandi en connaissance. J'ai expliqué, il y a deux éléments qui se passent. Il y a le processus et il y a quoi? Le résultat. Derrière chaque rencontre, deux situations s'installent. Le processus et le résultat. Le processus, c'est
c'est la pensée, l'idée de la personne au moment que tu es en communication avec. Qu'est-ce que la personne pense par rapport à ce que tu lui dis? C'est le processus. Et on a dit, à chaque processus, qu'est-ce qui se passe? Tu as affaire avec l'idée, tu as affaire avec une mentalité qui a une idée par rapport à ce que tu es en train de lui dire. S'il n'a pas une idée, tu n'as plus sensibilisé. Alors ça devient quoi? Le processus. Alors ici, on parle de la pensée. La pensée de la personne. Bonjour monsieur, je suis comme ça, tu me dis quelque chose dans la tête de la personne. La personne commence à analyser. C'est là où la personne manifeste l'intérêt ou pas. Est-ce qu'il va acheter ou pas? C'est le processus. Parce que tu descends pour manager les idées ou la pensée de quelqu'un par rapport à ce que tu as envie de lui proposer. Are you guys excited? Yeah. Et j'ai défini la pensée comme quoi? Une situation mentale. Qui fait quoi? Qui cherche quoi? Les suggestions provoquées par quoi? Une expression verbale. C'est toi qui as action et réaction. Quand tu parles, la personne est appelée à répondre. Parce que la personne donne ses opinions par rapport à ce que tu lui dis. Il est intéressé ou il n'est pas intéressé. Le résultat ici c'est quoi? La mentalité. Le résultat ici c'est quoi? La mentalité. C'est pour ça qu'à la fin du pitch, tu dois être capable de classifier. J'avais avec une mentalité positive, négative ou quoi? Passive. Alors, il y a deux situations qui se passent. Le processus et le résultat. Le processus, c'est la pensée. Et le résultat, c'est la mentalité. Are you guys excited? Yeah. Moi, tu veux dire? Yeah. Et la mentalité, au fur et à mesure que tu parles, et à la fin tu clôtures, et à la fin tu finis avec la personne, tu dois être capable de classifier la mentalité, la personne qui tombe sur quel degré de mentalité. Il est positif, il est passif, ou il est quoi? Négatif. Et on a dit, le moment que tu es en permanence, tu as fait de bâtir, construire positivement ton esprit. Qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, toi tu deviens déjà une mentalité bien définie. Et c'est quel genre de mentalité? Une mentalité quoi? Positive. Parce que tu es déjà une mentalité bien définie. Tu es quoi? Une mentalité positive. Automatiquement, n'importe qui que tu racontes, tu peux faire en sorte que la personne se comporte comme toi. C'est pour cela que l'énergie que tu dégages en permanence, c'est quoi? L'énergie quoi? Positive. Parce que c'est ce que toi tu reflètes. C'est ce que toi tu représentes. Une chose est dans ta tête. Qui prend qui n'est, je vais atteindre quoi? Mon objectif. Et c'est ça qui est dans ta tête. L'opinion négative, tu t'en fous. Alors, en permanence, tu es déjà quoi? Une mentalité quoi? Automatiquement, tout ce que tu vas mettre comme idée dans la tête du personnel que tu vas aborder, c'est que ça a des idées positives. Alors, dans ta tête, c'est quoi? Tu veux que ce que tu représentes, ça reflète aussi automatiquement à la personne que tu abordes. Aïe, ça t'aime. Quoi? Combien de fois, pour le mécanicien, qu'est-ce qui est dans sa tête? N'importe quelle mentalité que je rencontre, la personne doit me ressembler. Alors, quand le mécanicien est négatif, automatiquement, l'énergie négative qui dégage. Et il va faire face à qui? Un personnel quoi? Négatif. Comment? Wow. Et on a dit, au fur et à mesure que tu es en train de naviguer avec cette idée toujours positive, parce que tu es déjà une mentalité quoi? Positive. On dit quoi? Ça fait grandir ta croyance. Ça fait grandir ta croyance. Et la croyance, c'est quoi? L'acceptation que ce que tu fais est réel. L'acceptation que ce que tu fais est correct. L'acceptation que ce que tu fais, tu es sûr de toi. Ça commence à faire grandir ta croyance. Et au fur et à mesure que ça grandit ta croyance, automatiquement, mot de pensée établit cet état. Automatiquement, c'est ton attitude. Ton attitude, ça se fait tout ça. C'est pourquoi on a défini ça comme quoi? On dit, tu dois être capable, cette habilité d'assumer ou prendre contrôle par rapport à ce que tu as en train de faire et sois responsable de résultats à travers une émotion quoi compliquée. Avec quoi? Mon dépense, c'est quoi? Étalage. Alors, tu travailles, il y a une chose dans ta tête. Je suis positif. Et voilà le résultat qui m'attend à la fin de la journée. N'importe qui que c'est d'accord, même si il est négatif, je m'en fous. C'est ça, pas d'opinion. Quand c'est ça, yeah. Une chose est dans ma tête. C'est pas tel quoi, mon objectif. C'est vrai que dans nos systèmes, il y a cette justice, il y a cette chanson. Aïe, 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 aï
will have a juicy day. I will have a juicy day. Je m'en fous de cette exemptique. Une chose est sûre. Je l'ai pas. Une chose est quoi? Juteuse. Ça, c'est mes opinions. Mais une chose est sûre. Je l'ai une juteuse. C'est pour ça que je m'en fous de mes opinions. Surtout si ce sont les opinions destructives. Mais si ce sont des opinions constructives, j'ai besoin de ça. Parce que ça me bâtit. Il y a ce que tu as peur, toi tu n'es pas courageux d'abonner, il faut neutraliser quoi? La peur. Mais quand on dit je n'ai pas peur, qu'est-ce qu'on remplace la peur avec? Regarde ça, t'es. Yeah. Et c'est là où on définit la peur, c'est comme quoi? Fear. It is an unpleasant emotion caused by pain d'abonner des choses. Regarde ça, t'es. Yeah. Cette émotion désagréable provoquée par certaines négatives, surtout dans notre contexte, quand on traverse certaines situations négatives, automatiquement, ça installe quoi? Cette émotion quoi? Désagréable. Tous, yeah. Il n'y a plus l'enthousiasme. Ouais. Automatiquement, même la petite histoire ne coule plus. Et parfois même, on est dans une confusion d'une manière là où on peut donner même le thé, on pense que c'est le panache qu'on donne. Pourquoi? On est perdu. On est perdu. À cause de quoi? C'était négatif. Parfois, ça se répète même sur quoi? Notre démarche. Notre démarche. Parce qu'on est perdu. On est déjà négatif. On dégage cette émotion quoi? Désagréable. Allez, ça t'aime. Yeah. Il faut voir quand la personne marche avec le sac. Et s'il est quitté, c'est avec deux sacs. Comme je vois, c'est elle qui l'arrête deux sacs. Josh, yeah. Il faut voir quand il rentre. Voir la position de la cravate. Voir la chemise. Le plus pire, il faut regarder la mine de la personne au visage. Allez, ça t'aime. Yeah. Et moi, je veux dire. Yeah. Allez, aussi. Yeah. Allez, ok. Ouais. Donc, pas seulement qu'il y a la peur, Josh, yeah. Il n'a pas aussi pu atteindre quoi? Son objectif. Automatiquement, ça cause quoi? Cette émotion quoi? Désagréable. Provoquée par cette négative. Bon, aujourd'hui, on a le secret. On dit quoi? Il faut remplacer la peur ou l'ignorance avec quoi? Le désir. Il faut remplacer la peur avec quoi? Le désir. Le désir. Et il faut remplacer l'ignorance avec quoi? Les connaissances. Donc, la connaissance de la marchandise est quoi? Un ingrédient quoi? Vital. Yeah. 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 Il faut remplacer la peur avec quoi? Le désir. Et le désir, c'est quoi? Le plus bien de desire. What is desire? It is a strong feeling of wanting to have something. C'est ce sentiment assez fort. Là où le but, c'est d'acquérir quelque chose. C'est de réaliser quelque chose. Ce sentiment assez fort. Parce que quand il y a le désir, l'émotion qui s'installe, c'est l'émotion positive. Automatiquement, l'énergie quoi? Positive. Automatiquement, l'énergie quoi? Positive. C'est comme aujourd'hui matin, j'ai appelé Tete Nana de venir exciter la salle. Pourquoi? J'avais besoin de ça. Pour que je sois plus enthousiaste. J'avais besoin de ça. Il faut que ça répète quelque chose. On ne chante pas parce qu'il faut chanter. On chante parce que ça a un rôle. Ça réveille quelque chose. Ton état d'esprit. Il y a une manière que ça change même ta position en salle. Pourquoi? Parce que ça te pousse à être un peu détaché en salle. On parle de cette désir. On parle de quoi? Ce sentiment qui est fort. Et ça vient parce qu'il y a quelque chose à réaliser. Il y a un résultat à obtenir. Quand le désir est là et ça ne te pousse pas, qu'est-ce que yeah. À faire quelque chose de plus positif ou à réaliser quelque chose de plus positif, ce n'est pas le
mais c'était l'excitation inutile. Ça n'avait pas sa place. Nos désirs. Sont donc quelque part dans notre sang, on dit quoi? Quel Dieu fire, on dit quoi? Ça révèle quelque chose. Voyez ça, yeah. Et on dit, la pensée d'ignorance, ça veut quoi? Les connaissances. Avoir une bonne maîtrise des biens produits. Il y a la connaissance des marchandises dans le sens quoi? Dinotatif. Et la connaissance des marchandises dans le sens quoi? Connotatif. La connaissance des marchandises dans le sens dinotatif, c'est là où uniquement c'est pour faire quoi? De l'argent. Mais dans le sens connotatif, derrière le produit, on grandit en quoi? En connaissance. Ça veut dire yeah. On peut apprendre à communiquer, on peut apprendre à socialiser avec les personnels. Vous croyez que ça se donne à n'importe qui? Tu racontes quelqu'un que tu ne connais pas, mais à la fin, la personne devait être intéressée à tes causeries. Tu racontes quelqu'un que tu ne connaissais pas, mais à la fin, la personne est intéressée à tes causeries. La personne est intéressée à ta conversation. La personne veut dialoguer avec toi, il ne te connaît pas. Ayez ça, c'est quelque chose, ça c'est une challenge. Et qu'est-ce qui te donne ce courage? Parce qu'il y a quelque chose que tu connais, que tu dis que tu veux sensibiliser la personne par rapport à ça. Qui ne connaît pas. C'est la connaissance de la marchandise qui provoque ce genre de courage. Et ce n'est pas une bonne maîtrise de la marchandise. Où tu maîtrises seulement certaines marchandises. Peut-être le savon, peut-être le déodorant ou le parfum. Quand il n'y a plus de trois produits, tu ne peux même pas toucher. Ça te limite automatiquement. Ou quand il y a le vibro, tu ne te vois jamais. Il y a des gens qui ne sont jamais le vibro pour toucher. Pourquoi? La personne n'est pas d'abord sûre qu'il peut toucher quelqu'un en chaîne. La connaissance de la marchandise, ça remplace quoi? L'ignorance. Parce que quand il y a la peur, à un moment aussi, on devient ignorant de ce qu'on est en train de faire. Mais quand on remplace la peur avec le désir, l'ignorance avec les connaissances. La connaissance, c'est quoi? De définir ça, c'est comme quoi? De dire fait ou l'information obtenue à travers quoi? Une bonne compréhension pratique. La chose qu'on est en train de faire. L'information obtenue à travers quoi? Une bonne compréhension quoi? Pratique de la chose qu'on est en train de faire. La compréhension de soi. L'acceptation de soi. Et connaissance de soi. Je connais ce que je fais. Quand j'apprends quelqu'un une chose dessus, le moment qui me donne un peu, même une seconde de son temps, c'est que je veux lui dire par rapport à ce que je fais. Non, il va écouter. Pourquoi? Je suis le maître de la chose. C'est parce que quand j'apprends quelqu'un et je dis bonjour, ma façon de dire bonjour, et quand je fais l'introduction, non, il se sent obligé de m'écouter. Parce que je connais la chose. Je connais mon métier. C'est, il y a des gens ici, ils peuvent vous dire, les négatifs ne viennent jamais parce qu'ils ont abordé quelqu'un. Non, la personne, non, le moment que la personne se rend compte, se contacte de Dieu, ah bonjour, il dit bonjour. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'il entre. Il entre à une phase. À quelle phase? La phase là où lui, il est quoi? Il est le gouverneur de cette économie. Allez, c'est yeah. Lui. C'est lui qui gouverne cette situation, cette activité. Allez, c'est yeah. Pourquoi? Parce que ce qu'il connaît, les valeurs de ce qu'il pratique, et la personne qui l'aborde, allez, c'est yeah. Il y a un degré de cohérence. Ce qui parle du mal d'expression, que la personne, quand il écoute, il dit non, il faut que je sois attentif. Donc, quand il connaît ce qu'il fait, et c'est vrai que certains personnels, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous êtes différent par rapport au vendeur qui dans le monde. Allez, ça mais avant, il pense que tu étais vendeur pour moi. Mais quand il t'écoute, il constate que tu es différent. Il dit, monsieur, c'est pour ça que je vous ai dit, donnez-moi quelques temps, quelques minutes de votre temps. Et vous ne regretterez jamais. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous dire, vous allez constater que c'est beaucoup à vos faveurs. C'est pour ça que je déteste avec passion, avec passion, les mécaniciens qui supplient les personnels. Supplier les bandits, pardon, bravo, avec eux. Non, parfois tes gestes, parfois certains signes que tu manifestes, que tu dégages. Ouais, parfois même, c'est dans la communication non-verbale, ta mine. Et après,
Même quand tu finis avec la personne, regarde. Yeah. Même pendant que tu dis au revoir, tu ne dis plus que parce que tu dis au revoir. Je suis plus de ça de mes. Ça me déteste. C'est ça de mes gratitudes avec passion. Parce que notre activité, il n'y a personne qui part dans les grands chemins. Il achète un produit. Il y a quelqu'un qui lui dit comment l'utiliser. Et quand tu rentres dans les grands chemins, tu prends dans ton panier et tu prends le produit. Tu pars voir la caisse. On dit bah, 5 000. Tu ne discutes pas. Tu ne discutes pas. Et tu ne sais même pas si tu as pris la même chose ou pas. Peut-être que c'est la notice que tu as lu ça et tu as pris. Mais ici, ce n'est pas seulement la notice. Il y a encore quelqu'un qui parle, qui donne encore les points. C'est comme ce que la personne est en train de dire. Ça veut dire que tu fais, c'est qu'on appelle quoi? Regardez, regardez. Quand il regarde, Dieu, tu as en train de communiquer. Et tu lui donnes encore la possibilité. J'ai de vos critiques pour me perfectionner. Est-ce que vous avez des observations? Tu lui donnes encore. Ça, c'est preuve que tu me dis ce que tu fais. Tu connais ce que tu fais. Arrive à ce stade. Yeah. Et tu supplies. C'est la personne qui doit te supplier. C'est parce que vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous faites. Et quand tu ne connais pas la valeur de ça, quelqu'un au contraire va l'abaisser ou va rendre ça inutile. Et c'est comme ça que tu vas voir. C'est vrai que quelqu'un parmi vous, votre manière de vous présenter, de faire l'introduction, c'est bizarre. C'est bizarre. Ça n'attire pas le personnel. Ça ne motive pas le personnel. Ça ne suscite pas le déficit d'achat. Il n'est plus attentif. Il n'est plus intéressé. À cause de quoi? Ta façon de faire. D'abord. Alors, quand tu connais ça de la marchandise, on parle de quoi? On parle de l'information ou le fait obtenir à travers quoi? À travers quoi? À travers quoi? Une bonne compréhension de la théorie. Je ne parle pas ici de la théorie. Pratique. Une bonne compréhension pratique. Quand j'ai les connaissances, automatiquement ça veut dire que moi, je suis capable de faire pousser la chose vers quelle position, et ça va de l'autre position, et ça va dans le sens quoi, positif. Alors je suis capable que quand la personne m'écoute, quand je parle, automatiquement, même s'il n'achète pas, regardez, yeah. Il est satisfait de quelque chose. Il est satisfait de la bonne nouvelle. Il est satisfait de quelque chose qu'il ne connaissait pas. Parce que quand il parle dans les grands chemins, il n'y a personne qui est là. Pour expliquer comment ça fonctionne. Are you guys so excited? Yeah! Moi je vais dire que la peur c'est la place avec le désir. L'ignorance c'est la place avec quoi? La connaissance. Automatiquement, le mécanisme c'est ça quoi? Déterminé. Et ça se voit où? Ça se voit où? Le temps sur le désir avec l'intensité of your desire. Your determination is backed up by the intensity of yourself. Cette intensité de l'intense. Il y a une manière. Quand il travaille, tu sais que ça, c'est quelqu'un qui a un objectif. Et ça, c'est quoi? On va regarder. La démarche. Tu me regardes dans le plan de quoi? La démarche. La démarche. Tu me regardes ici. Madame, ça représente quoi? Ça hein? La démarche me représente l'objectif. Oui. La démarche représente quoi? L'objectif. Allez, ça vient. Et moi, ça vient. Et tout de suite. Le sourire naturel représente quoi? La bonne nouvelle. Le sourire naturel, ça représente quoi? La bonne nouvelle. Parce que quand tu dis quelque chose qui est bien, tout de suite. Ça représente quoi? La bonne nouvelle. Allez, ça vient. Allez, c'est quoi? Bonjour, monsieur. Comment t'as déjà représenté quoi? Allez, c'est quoi? Alors, quand il est en train de naviguer avec tous ces éléments, et il a une bonne compréhension de ça, non, quand il est en salle, il ne sourit pas, c'est un problème. Parce que ça va déranger. Ça va déranger son biche. Are you yeah. Ça va te rendre son pitch. C'est vrai que beaucoup parmi vous entrez ici. Vous descendez. Quand on regarde vos coiffeurs, on ne comprend rien. Quand tu souris, ça fait ta coiffure. Tu ne vois pas que ta coiffure a un problème parce que tu ne souris pas. Are you certain?
propre, c'est un problème. Parce que le sourire avec toi, c'est un problème. Tous, tous, je n'ai pas fini. Dernier point. Son enthousiasme est le temps de merci. Son enthousiasme. Son enthousiasme. Ça crée telle atmosphère. Qu'à permanence, il est toujours prêt. Vous connaissez ce qui veut dire que tu amènes un étranger. Vraiment. Et tu lui dis que les jeunes de vos critiques. Ah. Non, c'est beaucoup d'assurance, hein. Beaucoup d'assurance. Sauf que tu fais ta part par hasard. Mais s'il faut regarder, c'est beaucoup d'assurance. Tu es trop sûr de toi. Pour être capable de lui dire ça. Sauf tu ne dis pas. Sauf tu ne dis pas. Mais si tu peux aborder un exemple, et tu lui dis, mais je ne vaux critiques pour me perfectionner. Monsieur, c'est beaucoup de risques. Ça veut dire que tu es prêt que la majorité des choses que tu vas faire. Tu risques de ne pas avoir quoi les critiques. Ça veut dire que tu connais qui tu es. Mais tu dis, besoin de vos critiques et suggestions pour me perfectionner. Et quand tu dis ça, tu dis même avec le sourire. Sourire, non, tu vois, c'est comment. Mais d'accord. Et tout. Mais tu dis ça en disant que ça te sourit. Non, tu es prêt. Tu es quand même prêt. Tu es quand même prêt. Tu es quand même prêt. Tu as besoin de vos critiques pour me révisionner et tu souris. Et certains te disent, tu es sûr, tu vas supporter mes critiques. Tu te dis, monsieur, je vous ai dit, je suis un étudiant en face parti. Alors ici, monsieur, vas-y. On apprend ça que je suis. Toujours avec le sourire. Vraiment. Toujours avec le sourire. Parce que, il y a la présence de l'enthousiasme. Parce que l'enthousiasme provoque quoi? La créativité. Et puis l'autre, je dis, je vais aller. Parce que l'enthousiasme provoque quoi? La créativité. Derrière chaque question qui va te poser, tu es prêt. Tu es créatif. Tu as la réponse. Tu as la réponse. Derrière chaque question qui va te poser, tu as la réponse. Si tu n'as pas la réponse, répète-le. Yeah. On connaît. Tu vas faire ma qui se repousse est parti. Pourquoi? Il y a une question qu'on t'a posé que ça t'a dépassé. Et pour faire encore Mangou, et qui sait, pour partir, c'est-tu dans la créativité? Vraiment. Parce que tu ne veux plus continuer. Si tu continues, il va prendre contrôle. Tu vois, c'est mieux, tu dis, et tu. Avec marche. Et c'est-il, comme des jeux points. As your knowledge grows, the more confident you become. Take the necessary steps to make your goal a reality. Au fur et à mesure que tu grandis en termes de connaissances, ça développe en quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Au fur et à mesure que tu grandis en termes de connaissances, tu as envie d'apprendre, derrière chaque mentalité, derrière chaque raccord, tu as envie d'apprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non! Ce n'est pas encore l'autoconfiance, mais c'est la confiance. Ce n'est pas encore le tout, la confiance vient. Ce n'est pas encore l'autoconfiance, parce que ça devient l'autoconfiance. Il y a un certain résultat obtenu à la fin. Là où un, tu as exécuté, tu as le résultat. C'est là où ça devient l'autoconfiance, mais c'est encore confiance, parce que quoi? Je suis. Mes idées et ta vous consistant pour c'est pour cela que même quand tu flashes une personne prend 10 produits, il faut pas encore être content. Ton contentement est déterminé à la fin de la journée. Est-ce que je peux faire le quoi? Non, le coup d'aborder plusieurs gens, ça vient. Le coup, toi, ma
Parce que derrière chaque mentalité, tu gagnes en termes de quoi? Connaissance. Derrière chaque mentalité, tu gagnes en termes de quoi? Connaissance. Le coup vient. Le coup vient. Et progressivement, cette confiance est là. Sa force est là. Et la confiance ici, c'est quoi? La confiance ici, c'est quoi? Comment on la définit ça? On la définit comme quoi? On la définit comme quoi? Cette synergie entre quoi? Qui est potentielle et quoi? Sa manifestation. Alors, tu peux toujours être en manifestation. Quoi? Pour quoi? Tes potentiels. Pourquoi? Parce que tu es là pour un but. Tu n'es pas un vendeur ambulant. Tu es là en train de prouver quelque chose. Parce que tu es un manager. Tu es un futur manager. Tu es un futur manager. Est-ce que c'était? Alors, en permanence, je suis en train de prouver ça. À travers quoi? Tes potentiels. Tous? Et ça, et c'est dit. As your level of desire and knowledge increases, the marketer becomes more courageous. Maintenant, quand il y a déjà la confiance, parce qu'il y a quoi? La présence de quoi? Connaissance. Parce que derrière chaque mentalité, tu grandis en termes de quoi? Connaissance. Qui te donne cette confiance de pouvoir aborder plusieurs gens. Parce que quand tu abordes plusieurs gens, la confiance va grandir. La confiance va grandir. Parce que ça te donne aussi quoi? Assez de quoi? Connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le courage. Le courage maintenant trouve sa place. Tu n'as plus la volonté. Le courage maintenant trouve sa place. C'est pour la volonté. Quand tu as de bonnes idées et tu ne vas même pas mettre ça en exécution, ça reste quoi? Les bonnes intentions. Ça reste les bonnes intentions. Le courage maintenant vide. Tu vas aborder les gens. Tu vas aborder les gens. Et le courage, c'est quoi? Le courage, c'est quoi? On devine ça, c'est quoi? Strength in the face of obstacles. Le courage, c'est quoi? Tu constates que tu as certaines forces. Certaines forces. Même quand tu es face à quoi? Les obstacles. Tu as certaines forces. Même quand tu es face à quoi? Les obstacles. Regarde la routine, si c'est systématique. Neutraliser la peur. Remplacer la peur avec quoi? Le désir. Remplacer l'ignorance avec quoi? Connaissance. Donc, quand tu grandis en termes de connaissance, qu'est-ce qui se passe? La confiance vient. Et au fur et à mesure que, un, la connaissance, ça augmente. Deux, notre désir est là. Trois, la confiance vient. Et au fur et à mesure que les trois s'y trouvent leur place, qu'est-ce qui vient? Le courage. Tu peux faire face à certains obstacles que, avant, tu ne croyais pas que tu pouvais faire face à. Pourquoi? Pourquoi tu peux faire face à cet obstacle? Parce que tu as des connaissances. Et parce que tu as des connaissances, tu peux dire à quelqu'un, péché de vos critiques, et tu n'as pas peur. Même si le critique va venir, tu n'as pas peur. Même si tes chiffres, tous, il y a une manière que tu réponds. Sinon, je m'excuse, monsieur. C'est pour ça que monsieur n'est pas dans sa vie. Parce que tu as continué et à la prochaine. Il est-ce sa conscience me dérange. Je viens de chiffrer quelqu'un. Il me souhaite d'abord. Bonjour. Ça, c'est quoi? Connaissance. Connaissance de la chose. Et ça détermine comment tu peux réagir. Connaissance de la chose. Mais si tu es une foule fou, tu es moumou, tu es nananana, tu n'as pas la bonne connaissance de la chose. Quand tu es cible, tous, je te dis ça. Attends, tu dis quoi? On s'engage. À la bonne compréhension de la chose, grâce à les connaissances que ça te donne, chaque chose, même quand tu es cible. Sinon, je constate que monsieur n'est pas dans sa vie. Parce que tu es bon, je dis, et à la prochaine. Il est tout le prochain, tu as bon. Bonjour madame. Lui-même, il te regarde. Regarde. Il est dans ton. Avec la manière que je viens de lui parler, il a encore le courage d'avoir même quelqu'un à côté de moi. Parfois, même, ce n'est même pas quelqu'un à côté de lui. C'est quelqu'un même qui causait en ça. Ouais. Tu as abordé quelqu'un. Tu ne vois pas que je causais avec quelqu'un. Non, mais je lance quoi? Un truc qui t'avait été là. Et tu dis, j'ai compris, bon, tu veux que tu abordes. La même personne qui sort de la tête. Et c'est là où il regarde. Et le plus pire, c'est si la personne n'a pas été réceptive. Il t'écoute. C'est comme la fille de Isabelle là. La maman Wagon. Are you certain? Yeah. Elle est partie quelquefois. C'était dans une assurance. Elle a abordé un monsieur là-bas. Et quand elle a abordé le monsieur là-bas, le monsieur a dit que, ah, au repos là, c'est ton boss, non? Le gars là, non, je n'achète pas. Le gars là m'énerve.
Comment quelqu'un peut dans un salon, il se coiffe et il paye 20 000. Hein? Il m'énerve. Allez, ça fait. Quelqu'un peut aller se coiffer 20 000. Et il dit à la fille, et c'est un faux, c'est chaque semaine. C'est chaque semaine. 20 000. Il veut monter quoi? C'est ma famille. Et quand il parle comme ça, 5 à quelques minutes, la mécanicienne constate qu'il n'est pas intéressé. Il dit, monsieur, je ne vous ai pas intéressé, sinon vous pensez que vous allez à la prochaine. Qui? La personne qui a quitté les deux ans, elle a honte. Et quand elle parle à la personne maintenant qui est aux enfants, la personne est intéressée. Juste, il vient encore, il dit, tu as acheté. C'est comment tu vas acheter, il va aller pour se coiffer avec lui. Allez, je vais te dire. Allez, moi, je vais te dire. Et c'est là où la personne maintenant lui dit, c'est ton problème. Quelqu'un se coiffe avec lui, pourquoi tu te dis là, tu comprends? Dieu cherche que il tue son argent. Ah, jaloux comment? Jaloux, 20 000, 20 000. Allez, je vais te dire. Allez, je vais te dire. Écoutez, ça n'est pas encore fini. La fille là, la dame là qui cause ensemble qui est négative, la dame là prend trois produits. Parce que la dame là est intéressée. La dame là prend ces trois produits. Et elle finit maintenant avec la dame. Elle dit pendant que je suis mon dîner, elle va passer. Le monsieur a dit, tu ne viens plus. Il dit, mais vous avez dit que tu n'es pas intéressé. Non, je dis pas même, pas même. C'est comme ça que le week-end, il va venir pour payer 20 minutes. Allez, c'est ça. Et il continue. Il y avait tout ça quoi? Connaissance. Présent, elle a cette année. Le désir pour être quoi? Son objectif. Qui a donné quoi? Le courage. Et dans ce courage, elle a obtenu quoi? La confiance. Là où ça se transforme en quoi? L'auto-confiance. Parce qu'à la fin, il y a une histoire qu'elle a obtenue comme elle voulait. Mais elle trouve deux en train de causer. Mais une personne est positive. L'autre ne veut même pas. Parce que le manager a ses quoi? Vous pouvez mettre ça. Are you excited? Yeah. Are you motivated? Yeah. Are you pushing? Yeah. Are you okay? Alright. Maintenant, si on va vous dire, hein, s'il y a la peur, il y a l'ignorance. Are you excited? Yeah. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne peux pas avoir le courage. Automatiquement, il n'aura pas la confiance. La monnaie, c'est lui qui a coûté. Pourquoi? Parce qu'il y a des commentaires de celle-ci qui risquent d'intoxiquer l'autre. Mais la mécanisme avec quoi? Sa confiance. Qu'est-ce c'est qui dit ses opinions? Il s'agit quoi? Le personnel accepte quoi? La petite histoire. Voilà sa part. Mais il faut que je donne cette petite histoire à une autre personne. On va voir sa direction. Et dans cette confiance, même quand ils causaient ensemble, une personne n'a pas pris, une personne a pris. Et quand l'autre a pris, il était dérangé. Et quand il est parti, il dit, viens alors, non. La fille dit que, mais monsieur, vous n'allez qu'on n'est pas intéressé, non. Il dit, pas alors. C'est comme ça qu'il va venir encore le week-end pour se coiffer. Tu vas qui c'est? Tu vas même pas aborder les autres. Tu vas d'abord les aller. Madame, je viens. Voyez ce que tu vas dire. Madame, je viens. Mais tu oublies que ce n'est pas le produit qu'on achète. C'est quoi? La petite histoire. C'est la petite histoire qu'on achète. Et elle dit qu'elle est sortie là-bas. Elle était très fière d'elle. Parce qu'elle ne croyait même pas que l'autre l'a pas acheté. Avec ce que l'autre là disait. Elle est yeah. Mais elle a commencé au contraire à supporter la mécanicienne en lui disant quoi? Laisse son boss. Si c'est pas en fonction de ton là-bas, c'est quoi? Comment quelqu'un peut confier sa tête avec lui et moi, c'est comme moi, ça descend. Yeah. Il met quoi? Qui paye ses gens à son argent? Mais quand elle donnait ce n'est pas, elle était trop fière parce que quoi? À la fin. C'est là où la confiance prend une autre dimension à quoi? Confiance. C'est là où je dis, the more you understand what is important, au fur et à mesure que tu comprends ce qui est important. Et qu'est-ce qui est important? Au fur et à mesure que tu comprends ce qui est important, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Merci pour l'exemple. Au cas où tu comprends ce qui est important, qu'est-ce qui est important?
brûlé la marchandise. Hein? Il brûlé la marchandise. Il brûlé la marchandise. Important. The more you understand what is important, autant mieux que tu comprends ce qui est important. Tu tombes d'abord. Et brûler la marchandise est quoi? Mais utiliser la marchandise comme tu peux avoir l'objet est quoi? Et ça. Autant mieux que tu comprends ce qui est quoi? Important. C'est comme ça, petit à petit. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le courage se développe. Et quand le courage se développe, la confiance vient. Allez, c'était. Yeah. Et quand la confiance vient, le succès à la fin de la journée, c'est inévitable. Le succès à la fin de la journée, c'est inévitable. La raison de quoi? De ton objectif à la fin de la journée, c'est inévitable. Pourquoi? Tu as compris? Écouler la marchandise, c'est quoi? Important. Et j'ai dit, fais attention de piger quelqu'un comme si c'est par force qu'il doit acheter. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. Mais tu veux que ça soit ton argent. Alors il y a une manière. Ce n'est pas ton argent. Mais tu veux que la femme, ça soit quoi? Ton argent. Mais il y a quoi? Une manière. Il y a quoi? Une approche. Alors, il faut naviguer selon cette approche. Mais si à la fin de la journée, ou après chaque rapport, tu es fâché parce que tu n'as pas vu l'argent là, c'était ton argent. Alors si après chaque rapport, tu n'as pas vu l'argent là, qu'est-ce que c'était? Yeah. Cherchez à bien perfectionner en développant quoi mort. Plus quoi? Le courage et quoi encore? La confiance. Pour finalement avoir ça. Parce que ce qui compte, c'est quoi? Le résultat à la fin de la journée. Alors, autant de ce que tu comprends, c'est bien important. Le courage et la confiance qui vont s'en passer. Là où la raison de ton outil, c'est inévitable à la fin de la journée. Donc, quand tu vas être quand c'est qui est énergie, parce qu'il est déjà 9h, ou il est déjà 10h, jusqu'à 16h, il n'a pas encore flashé, il est énergé négativement. C'était comme si tu as donné l'argent aux gens. Non, ce n'est pas ton argent. Soit l'argent positivement, soit négativement. Parce que l'argent n'est pas ton argent. C'est l'argent de quelqu'un. Mais il y a une manière que tu vas enlever l'argent là. Parce que tu ne veux pas voler. Alors il y a alors une approche pour que ça sorte. Et si tu veux que ça sorte, il y a une manière. Soit partiel, mais en action. D'abord, ouais. À tout. C'est lui. Ça demande cette technique. Alors si dans ça, tous. La peur va laisser la place avant le désir. L'ignorance va laisser la place avant les connaissances. La connaissance là qui fait naître quoi le courage. Le courage maintenant qui fait installer quoi la confiance. À la fin de la journée, on risque de ne pas avoir l'autoconfiance. De ne pas avoir l'autoconfiance. Parce que dans l'autoconfiance maintenant, tu as initié, exécuté, et tu ne pouvais pas le voir dans le résultat. C'est pourquoi quand tu l'entends dans ton impact, systématiquement parlant, tu peux donner un impact quoi. Ce que tu as fait, tu connais les mots qui ont provoqué, c'est quoi, le biais, c'est quoi, l'argent. Et chaque jour, tu cherches à perfectionner ça. Parce que tu plantes plus en quoi, connaissance. Parce que tu sais quoi, la connaissance de la marchandise est un ingrédient quoi. Pourquoi? Parce que tu as compris ce qui est quoi, important. Et parce que tu as compris ce qui est important, qui est quoi? Écouler la marchandise est important. Mais tu peux maintenant l'utiliser comme un outil pour apprendre le business. Qui est quoi? Essentiel. Ça veut dire que tu vois, derrière ce qui est important, tu obtiens ce qui est quoi? Essentiel. Parce que le moment que tu te fais de l'argent, tu grandis en termes de quoi? Connaissance. Mais tu fais ça comment? C'est la manière que tu fais qui détermine si tu grandis en quoi? Connaissance. Parce que c'est derrière cette connaissance que la confiance vient. C'est derrière la confiance que l'autoconfiance vient. Et c'est derrière cette autoconfiance que tu deviens quoi? Le propriétaire.